vraiment choquée. Choquée de voir que la plupart des gens jettent la pierre sur Diddy Stone. Jettent la pierre sur l'enfant de Kofi Olomide. Nous sommes conscients que Kofi Olomide ne veut pas qu'on cite son nom. Mais quelque part, c'est l'artiste international de nos pays, de notre pays, de notre beau pays. Donc sa vie privée concerne toutes ses fans. Aujourd'hui, on voit partout dans les réseaux sociaux, on est en train de jeter la petite des pierres. Et moi, je me suis rendu compte aujourd'hui que nous, les Africains, on est des mazonés. On parle des bantous, ça n'a rien à voir avec ça. On reste mazo. Tout ce que le papa de Diddy Stone fait, c'est rien. Comment vous pouvez vivre ça? Moi, je m'adresse à ceux qui peuvent comprendre et non à ceux qui ne comprennent pas. À l'époque de nos parents, de nos grands-mères, arrière-grands-mères, eux, ils étaient obligés de supporter les infidélités de leur mari. À l'époque, parce que le papa, c'était que lui qui était... je ne dis pas que les pères d'aujourd'hui ne sont pas les chefs de famille, mais à l'époque, c'était plus que ça. La femme ne travaillait pas. La femme n'avait pas le droit de travailler. C'était le mari qui emmenait l'argent à la maison, qui nourrissait sa femme et deux fois la famille de sa femme. Mais il y a certaines familles, ces choses-là se passent encore aujourd'hui en Afrique. M'arrêtons. Il faut qu'on arrête. Essayez d'analyser les choses. Je vois certaines personnes qui n'hésitent pas à d'autres femmes qui peuvent être la mère de Diddy Stone. N'hésitent pas à l'insulter vraiment. J'ai lu certains commentaires. Tala Ekuna, Nzotomaka, si regarde son corps dur, n'importe quoi. Toi-même, tu as des enfants. Tu as peut-être un bébé que tu viens de mettre au monde avec son père. Tout va bien pour le moment, mais tu ne sais pas demain. Nous sommes tous des parents. On sait ce que c'est vivre en couple et surtout quand le couple ne s'entend plus parce qu'il y a des problèmes personnels d'infidélité que les enfants vivent, ils sont obligés de le vivre matin, midi, soir. Les disputes interminables pour les parents, les enfants sont dans leur chambre calmement en train de souffrir. Quand tu vois ton enfant ne bosse plus à l'école, et pourtant, c'est un enfant intelligent. Quand tu vois ton enfant est triste, il ne parle plus. Quand tu lui parles, il ne te répond pas. Ça, ce sont le comportement de nos enfants ici. L'enfant est en train de souffrir en silence. Souvent, sa colère, ça part à l'école. Il commence à brutaliser les autres sans raison. C'est juste pour attirer l'attention de ses parents. C'est une sonnette d'alarme. Mais personne ne veut comprendre cela. C'est répugnant. C'est triste. C'est triste. Je trouve ça tellement triste que l'Africain, l'homme africain, je dis africain en grand H, l'homme en grand H veut rester africain. On est des bantous. On est des bantous, mais on veut voyager, on veut vivre à l'étranger, mais quelque part, on ne veut pas s'intégrer. Mais n'importe quoi. Au bout d'un moment, nous tous, on a vu ce que Kofi Olomide fait sur les réseaux sociaux. Il n'hésite pas à embrasser sa maîtresse. Il n'hésite pas à s'afficher. Après, il dit que sa vie privée, il ne veut pas qu'on parle de sa vie privée. Mais sa vie privée, lui-même, il affiche sa vie privée devant tout le monde. Lui-même, il nous a emmenés à voir et à le juger. Lui-même, il a sorti, il a montré aux gens que cette femme, c'est aussi ma femme avec Alia. Donc, ça l'arrangeait bien d'avoir deux femmes. De l'autre côté, Alia est là, Cindy est là. Donc, c'est, pour lui, il se retrouvait, c'était équilibré, quoi, selon lui. Mais maman Alia souffrait en silence. Oui, on a vu ça, on a lu ça, beaucoup, un peu partout, que Alia sortait avec Kofi quand Kofi, à l'époque, était marié. Mais il faut qu'on arrête ça. Ils ont fait 28 ans de mariage. Et Kofi, vous vous demandez comment est-ce que Kofi a eu Alia à l'époque?
Posez-vous les questions et allez chercher comment Kofi Olomide a pu sortir avec Alia à l'époque. Comment il a fait pour l'avoir, pour avoir cet amour? Là, vous ne vous posez pas les questions? Vous savez creuser, aller creuser, chercher, et vous allez comprendre aussi pourquoi. Mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'il y a eu un couple qui ont des problèmes, qui divorcent. Les enfants en avaient marre. Donc, ce qui fait que Didi Stone a conseillé à ses parents. Il y a un adage qui dit « Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. » Parce que Didi Stone, en étant aîné de Alia, en avait marre de voir sa maman pleurer tout le temps des larmes, tout le temps. Donc, de voir ses frères qui n'étaient pas du tout bien. C'est eux qui ont vécu ça et non nous. C'est pas nous qui ont vécu, c'est eux qui ont vécu. Souvent, c'est mieux d'être séparés. Et il y a des enfants au milieu. Vous insultez ces enfants. Vous oubliez que ce sont les enfants de Kofi Olomide. Demain, ils vont rester ensemble. Demain, ils vont se réconcilier. Hein? Demain, ils vont se réconcilier. Réconciliation, pas dans le sens où se remettre ensemble. Non, parce qu'il y a des enfants. Donc, il faut garder toujours des bonnes relations à cause des enfants. On est amené à faire ça parce qu'on est des gens civilisés. Et que quand, si vraiment dans un couple, ça n'a pas marché. Tout ce qu'on peut faire, c'est rester dans des bons termes à cause de nos enfants. Didi Stone, c'est l'enfant qui a vécu cela. Son frère ne dit rien. Mais ce sont des enfants qui ont souffert de la rupture, des disputes interminables de leurs parents. Au bout d'un moment, stop. Mais au lieu de comprendre cela, je vois des gens, tu connais le mariage, mais arrêtez vos conneries à 2 balles. Vos conneries à 2 francs, arrêtez. Hein? Votre façon d'analyser les choses à la pâte d'arachide, au bout d'un moment, on arrête ça. Hein? Ah, mais c'est comment les gens ne peuvent pas réfléchir? Comment? J'avais dit, je ne vais plus parler de cette histoire de Kofi Olomide. C'est pas parce que lui, il est venu afficher sa liste ou quoi. Non. Essayez un peu de comprendre une famille. Oui, je dis que l'enfant, Didi Stone, n'a pas totalement raison. Mais Didi Stone est en train d'afficher les choses par rapport à aussi les médias qui parlent dire n'importe quoi. Et elle, dans sa tête, elle se dit que c'est le papa qui dit quelque chose. Donc, moi, je dois agir. Par exemple, cette histoire de voiture de Didi Stone. Parlons-en. Kofi a affiché, là, on a vu des vidéos qui sont parties, et nous tous, on a vu que le papa qui achetait la voiture, qui offrait une voiture à sa fille. Mais ce qui est normal. Maintenant, il y a des gens qui vont voir Didi, qui vont dire n'importe quoi à Didi, quoi. Le papa qui t'a acheté la voiture. Mais où est le matériel? C'est son père. Même si son père lui a acheté le jet privé. Ça reste son papa, même si demain ils ont des problèmes. Balobakanini, singa famille ningana ke kata nakate, le cordon ombilical là, ça peut bouger fort, mais jamais, excusez-moi, ça peut pas se briser. Honte à vous de jeter la pierre à la fille de Kofi Olomide qui n'a pas eu des problèmes avec ses enfants. Ceux qui ont des enfants qui n'ont pas eu des problèmes avec leurs enfants. Dans toute famille, quand il y a des problèmes, il y a toujours la réconciliation à la fin. Arrêtez de jeter les pierres à Didi Stone et à Alia. Que Alia, c'était une mauvaise mère. Oh, mais arrêtez. Si Alia est mauvaise mère, ça veut dire que Kofi Olomide aussi, c'est un mauvais père. Ils vont se réconcilier autant voulu. Pour le moment, c'est encore tout chaud. Kofi Olomide, je dirais aussi aujourd'hui, je peux quand même le dire aujourd'hui, le pauvre. Parce que je veux pas regarder sa façon d'être avec sa maîtresse. Non, parce que c'est franchement dégueulasse. Mais aujourd'hui, je veux dire le pauvre. Kofi Olomide est en train de subir aussi une charge électrique. Je sais pas combien de watts. Il y a le problème de la séparation avec sa femme. Il y a le problème avec sa fille.
Il y a le problème, le fait qu'il a affiché sa deuxième femme ou sa maîtresse, je ne sais pas comment appeler cela. Il y a aussi des problèmes de son travail. Ça fait beaucoup dans la tête d'un homme. Arrêtez, arrêtons de polémiquer. Totika famille ba tout tranquille nanou. Bava na kwa na bango bazala tranquille na kwa na bango. Au bout d'un moment, on doit arrêter tout ça. Arrêtons, arrêtons. C'est une famille en crise. Quand on parle de crise, c'est vraiment. Au moins, ce sont des choses actuellement, ce qui se passe actuellement, je ne sais pas en Afrique, mais si c'était en Europe, Kofi allait consulter, Ali allait consulter, Didison allait consulter. Mais là-bas, on a un psychiatre. Parce que comment on a un médecin, on a un médecin qui est un bon médecin. On a un médecin qui AVC dans ma cambouille. Mon taquoi que ça la AVC. Parce que là je vois que Kofi Olomide est en train de péter un câble quelque part. Et il est aussi en train de dire il y a une petite voix au secours, aidez-moi, arrêtez. Et comme nous, je peux dire nous tous, on ne veut pas arrêter. Il était obligé d'agir ce qu'il est en train d'agir là. S'il vous plaît. Je dis pas ça parce que j'ai envie de faire le buzz. Je m'en fous. Même si trois ou quatre personnes regardent ou écoutent ça. Totika famille ou nanoupe na kimia. On laisse tranquille les enfants, la famille de Kofi Olomide. On peut un peu passer à autre chose. Parlons un peu des autres. Il n'y a pas que Kofi comme artiste musicien international. Il y a Fally aussi. Il y a, comment on appelle? Il y a beaucoup. Hein? Aujourd'hui, on parle de beaucoup. Il y a Serge Benon. On va parler aussi de Farantena. Il y a Roga Roga. Il y a beaucoup. La liste, elle est longue. La liste est longue. Didi Stone, si elle a pu écrire, moi j'ai investi autant d'argent sur la voiture de mon père, mais parce que vous n'arrêtez pas de l'insulter, vous n'arrêtez pas de la provoquer. De l'autre côté, son père aussi n'arrête pas d'envoyer, par exemple, je ne sais pas, le combattant là qui vient afficher et confirmer que Kofi Olomide, c'est sa femme. Même si on sort d'un divorce, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Le travail d'abord, ça, ce sont des trucs. Même si c'est votre femme, Kofi Olomide, ce n'est pas le moment. Nous tous, on est au courant que, voilà, votre femme, c'est ou la maîtresse, ou votre femme, vu que on a entendu, hein, moi, j'ai entendu que vous l'avez épousée coutumièrement ou quoi. Ça reste votre femme, vu qu'on est des Bantous, le mariage coutumier, on considère cela. Et on respectera cela. Peut-être le jour où vous allez venir un jour nous dire ouvertement, voilà, c'est ma femme, ça sort pas de votre bouche, mais ça sort dans la bouche des intermédiaires. Ça aussi, ça peut être faux. Comme il y a beaucoup de gens qui analysent n'importe quoi. Nous tous, on analyse des choses qui sont peut-être, dans le peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais moi, personnellement, en tant qu'une mère qui a des enfants, je comprends tout. Je comprends comment. Parce que c'est des choses que moi, j'ai vécues aussi. Dans un couple, après, il y a des disputes. Après, et puis, vous allez comprendre que c'est des enfants qui sont en train de subir plus que vous par rapport à leur réaction à la maison. L'enfant devient têtu, je l'ai répété. L'enfant commence à casser des trucs dehors, fait des trucs vraiment pour attirer votre attention, pour dire stop. Mais comme ils sont petits, deux fois, ils ne peuvent rien dire. Didi a eu quand même le courage de dire, elle n'a pas dit à sa maman, quitte papa. Elle n'a pas dit à son père, quitte maman. Elle a juste suggéré à ses parents, si ça ne marche pas, il faut arrêter. Parce que dans les problèmes de couple, si vous insistez, ça pourrait mal se passer. Ça peut être aussi fatal. Au bout d'un moment, stop, on doit le prendre comme un couple normal
qui ont divorcé. Mais maintenant, demain, supposons que demain le couple se remet ensemble. On va vraiment mourir de honte, hein. On va vraiment mourir de honte. Un conseil en passant, quand on dit, moi, la mouké, abeta rambunda, ba kolope, ba binaka. Alors, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas un enfant, lui-même il sait. Si bisoto moni ki akozi kana sinzi, alors totika ye azika, on va le laisser se brûler. Voilà. On doit le laisser se brûler. Parce que, ezandenge wana. Soki alingi azika botika ye azika. Po balobaka mutu pona ozonga mutu. Fo tutana, o tutana, o tutana. Po zongi, tamuse imoka o comprendre que ah, moi si nangeza vraiment alia, na zongi pa alia. Ben soki etanga maki ke barosa la 28 ans, kaka soki 27 ans, après bako se séparer. Eza ma manzambe, fo totika ngo, on doit regarder, on doit plutôt les encourager de part et d'autre. Les encourager, on doit encourager Kofi, on doit encourager aussi Alia et Didi Stone, les enfants. Waouh, vous dites que vous aimez Mopao, vous aimez Kofi Olomide et vous insultez sa fille. Vous insultez sa fille. Bozo finga mwana naye comme si c'était pas l'enfant de Kofi, comme si c'était la petite gnognon de Kofi ou voilà, puneux de réserve. Mais vous insultez la fille de Kofi, vous insultez Kofi aussi. C'est pas la même chose, même si sa fille manque de respect à son père, ça ne nous regarde pas. C'est un problème de famille. C'est un problème familial. Alors arrêtez, moi ça me fait mal de voir des choses comme ça, d'insulter Ali, c'est pas possible. Est-ce qu'Ali a fait une vidéo d'insulter, elle a insulté son mari? Elle a insulté le père de ses enfants? Oui, elle fait des manières, elle s'affiche, nanani, nanana, avec, par exemple, voilà, la musique de Fally Ipupa. Et alors, ça fait quoi? C'est pas parce que leur papa, c'est Kofi, qu'eux, ils doivent plus mettre les chansons de Fally? Vous employez l'article quoi, là? L'article, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi? Si Fally s'entend pas avec Kofi, ça ne veut pas dire que la famille de Kofi ne peut pas écouter la musique de Fally. Ils sont tous congolais. À plus forte raison que nous, on est chez nous, on écoute. Souvent, on n'en comprend même pas un traître mot d'anglais. Mais on écoute les chansons de 50 Cent, on écoute les chansons de Akon, on écoute les chansons, il y en a beaucoup, Rihanna. Hein? Vraiment. Au bout d'un moment, on écoute, on comprend rien, on suit seulement le rythme. Alors, maintenant, si la fille fait ça parce que il s'entend pas avec son papa, peut-être que la fille est en train de faire sa petite dépression. Je l'ai dit dans la première vidéo quand je parlais un peu de la famille de la famille Kofi Olomide. Didi Stone, malgré vous la voyez, elle a l'air heureuse. Ça, c'est que l'apparence. Ali est heureuse, et c'est que l'apparence. Mais au-dedans, là, nous ne sommes pas Dieu pour savoir, pour connaître cela. Au bout d'un moment, vous pouvez venir conseiller Didi, arrête de faire des vidéos. Si tu as des problèmes, par exemple, avec ton papa, sois sage, reste pour toi tranquille, tu verras, Dieu va faire. Non. Mais on se met à insulter. Tout ce qu'on sait faire, nous, c'est insulter les gens. On commence à insulter, à dire n'importe quoi. C'est une famille en crise. En crise. Ils sont en train de traverser une zone, mais grave, de turbulence. Et nous, on fait que allumer le feu. On fait que rajouter l'essence. Parce que on veut avoir le buzz. Parce que nous sommes des chroniqueurs ou je ne sais quoi encore. Au bout d'un moment, on doit arrêter de penser un peu à nous, hein? On doit essayer d'aider les autres. J'espère que le message est passé. Merci de m'avoir écouté pour ceux qui vont écouter mon message.
Elle parle d'un cœur sincère, franchement. Là où je vous parle, hein, c'est pas le buzz, mais j'ai des larmes aux yeux parce que c'est une famille. Voilà. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de les faire couler. Vous êtes en train de faire couler encore Kofi lui-même. Vous croyez que vous l'épaulez en insultant sa famille, en insultant sa fille, excitant sa fille à dire n'importe quoi? Et j'ai vu encore une vidéo qui circule. Vous avez pris une ancienne vidéo de Cindy qui disait il est libre, Kofi Olomide est libre. Et vous voulez nous faire croire que derrière cette vidéo, Cindy est heureuse d'avoir un homme d'autrui, quoi. Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le malheur de Aaliyah et Didison Nike fait le bonheur de Cindy. Même si c'est le cas. Elle n'est pas folle, Cindy, de venir faire ce genre de vidéo. Si elle a gagné, elle croit qu'elle a gagné, alors laissez-la. L'avenir nous le dira. Faut la laisser faire son temps. On ne la juge pas. Ce n'est pas la faute de Cindy en ce qui me concerne. S'il y a quelqu'un qu'on doit blâmer, c'est lui-même Kofi Olomide. Parce qu'on dit que c'est l'homme le maître de la maison. C'est l'homme qui doit bâtir. On dit que oui, la femme est dedans, doit bâtir sa maison. Mais la femme a besoin de l'aide de son homme. La femme a un cœur aujourd'hui. Est-ce que l'AVC, ça concerne seulement les enfants? Dites-moi. AVC, ça concerne seulement les enfants? Pardon, ça concerne seulement les adultes ou les plus âgés? Non. On a vu aujourd'hui l'arrêt cardiaque. Aujourd'hui, ça attaque les plus jeunes. Donc, totika ki songi songi, totika bouzo, ba yasu ki songi songi, te komi kindoki. Otozo ça là. C'est la sorcellerie pure, ce qu'on est en train de faire là. Il faut, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. Arrêtons. Arrêtons. C'est pas bien. Didi Stone Nike, même si elle a 20 ans ou 21 ans, je sais pas, ça reste un enfant. Ça reste un enfant. Moi, une fois, j'ai eu des problèmes avec mon fils. J'étais mais tellement vénère, mais tellement. Je me suis dit, c'est pas mon fils qui peut me parler comme ça. Vous croyez que je lui ai donné cette éducation? Non. J'ai fait ma crise de mère. Comme je suis pas star, c'est passé à côté. Alors, j'ai fait ma crise de mère. Je suis restée tranquillement chez moi jusqu'à Keipa, Toutanina na Makamonae, parce que les enfants, quand ils grandissent, se disent que on contrôle tout. Nous, on connaît rien. Les parents, mais c'est eux qui savent tout. Alors, j'ai laissé le temps au temps. Un jour, il a compris la situation. Il est venu me demander pardon. Et voilà. Mais, or, si j'étais une star, on allait dire l'enfant impoli, on allait commencer à l'insulter. Mais moi, en tant que parent, quand je vois ça, même si j'ai des problèmes avec mon enfant, peut-être qu'au début, si je suis une mère, par exemple, je dis pas que je l'étais, très en colère, je peux maudire mon enfant, donc je serais content que les gens se retournent contre mon enfant, parce que moi, je suis énervé quand je livre mon enfant. Je ne livrerai jamais mes enfants, je ne livrerai jamais mes ouins, je ne livrerai jamais mes entrailles. Jamais, même si j'ai des problèmes, comment? Ce que vous faites là, Kofi Olomide, la liste qu'il a faite, il devait aussi vous faire mettre sur cette liste-là. Oui, il devait aussi vous mettre ça, là-dedans, pardon. Il devait vous mettre tout simplement là-dedans, sur la liste. Mais c'est dément. Donc, comme il a souka, finalement. Au fait, quand je réfléchis, je vois que Tosa n'a mité maté. On n'a pas de cœur, nous les Africains. On n'a pas de cœur. Il n'y en a pas. Je vois même les parents qui ont encore les enfants qui sont encore tout petits, sont en train d'insulter l'enfant de quelqu'un d'autre. Je vois une maman qui vient là, qui est en train d'insulter. Et la majorité qui se comporte, des gens qui se comportent comme ça, je l'ai dit, je répète encore, si on suit bien leur situation, ça doit être les femmes qui sortent avec les hommes mariés quelque part. Et qui ne peuvent pas comprendre cela. Ça doit être que ça, il n'y a pas autre chose. C'est ça. Je veux pas continuer à rentrer
dans ce sens-là, sinon on ne va pas arriver à la fin de cette émission que je suis en train de faire, voilà. Mais Totika, famille Olomide, tranquille, passons à autre chose. On essaye de publier autre chose, voilà. C'est une famille qui souffre, c'est une famille qui a mal. Donc, au bout d'un moment, il faut vraiment que stop and quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, que Diddy Stone et sa maman souffrent. Kofi Olomide de son côté souffre en silence. Si Cindy ne voit pas ça, c'est vraiment, ce serait vraiment triste. Parce que les charges qu'il a reçues là, peut-être, si c'était moi, j'allais peut-être même plus être là. Oh là là, le pauvre. Ouais. Le pauvre Kofi Olomide. Ouais. Le pauvre Kofi Olomide. Il a mal. Comme on dit, les problèmes ne viennent pas seuls. Kofi Olomide, les problèmes ne viennent pas seuls. Il faut que vous sachiez que peut-être je suis mal placé pour vous donner des conseils à vous aussi, mais je vais quand même essayer. Dans un divorce, quand on fait du mal, on continue à goûter, on continue à faire du mal, on continue à faire du mal. On ne voit pas qu'on fait du mal jusqu'à ce que ta famille commence à réagir, commence à voir la conduite de leur père ou de leur mère. C'est un exemple que je donne, hein, parce que c'est des choses déjà vécues. Voilà. En tant que père, on sent bien que sa famille souffre, mais on refuse quand même de voir, parce que c'est comme le diable qui est en train de pousser quelqu'un à continuer à faire des bêtises, à continuer à faire des bêtises. On se sent roi, on se sent roi, donc c'est moi le roi, ce que je fais, c'est comme ça. Je suis le Rambo du Congo. Mais avant, à part être Kofi Olomide, à part être le Rambo du Congo, vous êtes d'abord un homme, un être humain simple, monsieur Agwepa. Vous êtes d'abord un père, un mari, un homme responsable. Je parle de ce côté-là. Je parle moi, je ne parle pas de Kofi Olomide. Je parle d'un homme responsable, un père qui a une famille, qui a des enfants. Alors, quand on continue à faire des bêtises, on continue à faire des bêtises, au bout d'un moment, on ne voit pas. Donc, on devient aveugle jusqu'à ce qu'un jour, ta famille te met à table, te parle, on te donne un choix, on te met sur le fait accompli quelque part, on te donne l'ultimatum. Voilà. OK. Papa choisit, nous ou elle. Je dis bien, c'est mon analyse. Et je dis bien, c'est quelque chose du déjà vécu. Donc, je peux que conseiller. Maintenant, après, c'est à vous l'antenne. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? On doit promettre à sa femme que c'est vrai, je ne veux plus le faire. Les promesses sur promesses, quelque part, on sait que on ne peut pas arrêter. La personne dehors est devenue comme la drogue. Donc, tu peux pas, tu n'arrives pas, tu ne peux pas et tu ne sais plus comment te conduire. Tu es en train de conduire, tu fais erreur par erreur, chaque jour erreur par erreur, mais tu ne le vois pas que tu es en train de perdre ta famille. En perdant ta famille, derrière, toutes tes choses vont tomber. C'est comme ça que Dieu fait pour punir quelqu'un. Alors, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, jusqu'au jour où le diable te pousse à aller t'afficher en public. Alors là, c'est une goutte d'eau qui déborde le vase. Qu'est-ce qui va se passer? En faisant cela, dans ta tête, tu t'es dit, je maîtrise tout. Mais or, tu ne maîtrises plus rien. Parce que la personne qui supporte, qui est ta femme, ta famille, pour la personne, c'est devenu une chanson. Donc, au bout d'un moment, la personne se dit,
On s'est disputé, j'ai crié, j'ai parlé, oh, j'ai pleuré, j'ai tout fait. Mon homme ne veut pas m'écouter. Et les enfants qui sont là, qui disent, nos parents ne peuvent plus être ensemble, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut plus respirer, tout le temps des disputes à la maison. Vaut mieux que nos parents se séparent pour qu'on puisse avoir la paix. Ce n'est pas que les enfants n'aiment pas leurs parents. Pour dire ça aux parents, ça n'est pas dire que ce que je suis en train de lire, là, il faut avoir de l'expérience en couple ou ceci. On a vu beaucoup des médecins qui sont comment les conseillers matrimoniaux, les conseillers matrimoniales, pardon, qui sont là, eux, deux fois, ils n'ont pas d'enfants, hein, mais ils ont étudié ça à l'école. Ils ont étudié à l'école. Mais deux fois, ils ne sont même pas mariés. Mais c'est leur métier. Donc, pour conseiller un couple, ça n'est pas dit, il faut être marié toi aussi, avoir de l'expérience dans le domaine pour que tu puisses conseiller les gens. Non. Non. Mes amis, mes frères, nos parents, aidons-nous vivants. Ce qui s'est passé, moi, je dis, dans cette famille, il y a eu une goutte d'eau qui a débordé. Et si demain, ils doivent se réconcilier, Kofi Olomide, je parle de l'homme, le père des enfants, doit faire des sacrifices. Et ces sacrifices, lui-même, il doit comprendre c'est quoi. Les sacrifices, là, c'est quoi? Les sacrifices, c'est de laisser tout ce que sa famille lui a demandé dès le départ. Comme je l'ai dit, dans une famille, quand il y a le divorce, sachez-le que il n'y a pas que le divorce que tu vas perdre. Derrière, il y a ceux qui ont perdu de l'argent derrière le divorce. De l'argent, des appartements, ton finance commence à couler. Le divorce engendre beaucoup de choses, fait chuter beaucoup de choses derrière, fait chuter ton compte bancaire, ton niveau. Je sais pas, comme Kofi Olomide, comme ça, ça peut aussi chuter sa musique, faire chuter sa musique. Tout ça là, hein, c'est pas quelqu'un qui est derrière. Hein. C'est pas quelqu'un qui est derrière. C'est le karma. Le karma existe. Moi, je ne pense pas que, comme on dit dans la Bible, oui, je suis d'accord qu'il y ait le paradis et l'enfer. Mais avant d'aller en enfer, avant d'aller au paradis, on doit d'abord le subir de notre vivant, ici sur terre. Alors, il est temps peut-être que Aguapa, Antoine, Monsieur Antoine, il faut coloquer l'unganzambe, sikoyo. Ce que vous apprêtez, si tu n'es pas prêt, il faut peut-être alors essayer de rester calme ou d'aller quelque part là où il y a pas de bruit, là où il y a pas de médias, là où il y a pas de oyokotanga babilo ko wana te o muto kwa ko yebisa o te quelqu'un qui viendra vers toi te dire ou bien monsieur Kofi Olomide on a écrit ça, il y a tel qui a dit ça. Mais ça c'est la pression. D'abord ça commence dans ta maison, ça commence avec les gens qui viennent te visiter, ça commence avec des gens qui regardent le service de réseau, voilà, et qui viennent te dire, t'as pas besoin d'écouter tout ça à l'heure là. T'as besoin de calme dans ta tête pour prendre des bonnes décisions, des décisions qui s'imposent. Parce que tu peux encore réunir ta famille. Et que si tu vois que c'est plus possible, mais tu peux le réunir pour être en bon terme avec eux. Arrêtez de faire la guerre. La guerre apporte que des mauvaises graines, apporte que des mauvaises choses. Je le regarde différemment. Je ne le vois pas comme une star. C'est mon homme. Mais le jour où je l'ai vu, c'était quand même, j'étais impressionnée, il faut le dire. C'est pas facile de vivre avec une grande star comme lui. C'est pas facile, mais je tiens les rênes. C'est vrai.
C'est vrai, c'est ça. Ouais, je tiens les rênes. D'accord. C'est pas évident du tout, mais quand on aime, vous savez, on supporte pas mal de choses quand même. C'est pas évident, c'est quelqu'un qui est souvent parti, il faut le dire. On n'est pas souvent ensemble, il faut être forte, sinon on ne tiendra pas. Voilà.
Merci.